find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Salut Stan, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto carte. On va rester dans les cartes de Noël. Du coup, voilà, je sais comment que après il va falloir songer au nouvel an, mais ce sera peut-être plus non, là ça va être encore Noël. Et la semaine prochaine, je pense qu'on va attaquer le nouvel an, parce que Noël, j'en ai un peu ras la casquette, on va dire, de scraper Noël. Donc déjà, je vais couper ma carte à 14,8. Voilà. Faire mon pli à 10,5. Comme ça, ce sera fait. J'aurai plus qu'à coller ma carte dessus. Voilà. Donc ça, il faut et gully good. Non, faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec ça. Je vais le mettre là. Ce sera pour une prochaine carte. Alors, on va utiliser le bloc celui-ci, parce que vous voyez, j'ai commencé à l'utiliser, j'ai plus beaucoup de feuilles, j'ai beaucoup de die-cut, mais plus beaucoup de feuilles. Du coup, voilà. Alors, on va prendre cette feuille, on va la couper à 10, façon 10. 10. Et on va couper à 14, donc 14,2. Ça fait combien ça? Ouais, 14. Ouais, on était à 14 là. Ouais, 14,2. Pour avoir à peu près 14,2, c'est vrai, pas mal. 14,2, on est bon. On est bon, voilà. Ensuite, celle-ci, on va la recouper à 14,2. Comme ça, j'aurai un prochain point. Et 0,5. 10, du coup. Maintenant, on est bon. 10. C'est celle-ci qui est à 10, alors. Si elles sont à 10, toutes les deux. Donc, on est bon. Ensuite, celle-ci, je vais la couper en biais. Oh, putain, ça bouge. Voilà. Et celle-ci, je vais couper 10. 14,2. Et en biais aussi. Voilà. Hop. Je me suis gouré. Maintenant, c'est ça que je voulais faire. Pourquoi ça marche pas? Ouais, je sais pourquoi. Donc celle-là, on va les garder, c'est pas grave. On va couper celle-ci à 14,2, mais dans ce sens-là, en fait. Normalement, on est bon, si je coupe comme ça. Normalement. Bien. Et là, du coup, j'ai deux cartes en préparation. Vous voyez? Alors. Ça et ça. Et ce que je vais faire. Est-ce qu'il me reste du papier miroir ici? En chute. Non. Du coup, je dois les avoir quelque part, ces blocs. Ils font tout tomber à chaque fois, mais là, quand j'ai besoin d'eux, je les trouve pas, bien sûr. Mmh.
on va prendre une lamelle de 2 cm à 0. Voilà. Ça, c'est good, c'est good. Ensuite, j'arrête vraiment. On va prendre un fond blanc. Ça permettra d'avoir la base tranquille de la base de notre carte. Je vais prendre un papier blanc, mais je vais pas prendre un papier blanc épais. Ça, ce sera très bien, la version fine. J'ai coupé à 10. Voilà. 10 et 14 de. Voilà. Ça, on va le mettre là. On va la prochaine carte. Hop. Alors, on va coller ça. Je vous fais la carte. Après, je vais chez ma soeur faire mes mains. Donc, les prochaines vidéos que vous verrez, logiquement, j'aurai des mains à peu près plus propre que ça. Enfin, pas tout de suite, parce qu'en fait, j'ai déjà reposté des vidéos avec mes mains abîmées. Donc, voilà. Mais, voilà. Ça. Hop. Comme ça, ça permet d'avoir au bon endroit. Et en plus, c'est un papier fin. Donc, du coup, c'est pas gênant. Et comme ça, après, nous, on recoupe bien. Ça a bougé. La verte, elle a bougé. Donc, la blanche ne peut pas se positionner correctement. On va recouper de toute manière. Yo, voilà. On va recouper. Et on va venir mettre ça. Ça permet d'avoir quand même malgré tout un truc. Voilà. Bien positionné. Et on va mettre ça par-dessus. Autant l'autre bloc, je trouve que les papiers sont plutôt bien assortis. Autant que ce bloc-là. Je vois pas comment. Je trouve pas que ce soit bien assorti au die-cut qui se trouve dans le. Dans l'album finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez. Je vais prendre ceux-là au moins. Je vais prendre ceux-là. De toute façon, ils sont déjà plein de colle. Donc ils craignent rien. Hop. Hop. Hop, et on va recouper. On va recouper là. Avec le massico. Pas très joli. Ça me plaît plus. Là, ça c'est droit. Mieux tout de suite, hein, la guillotine, il n'y a pas photo, hein. C'est carrément différent, quoi. Ça me saoule parce que du coup, je me demande si ça va être droit.
va recouper le bas parce que ça ne me plaît pas, c'est trop grand. Mais quand on l'aura collé. Alors maintenant on va faire la déco. Du coup, vous voyez, je vous dis, c'est pas trop. Je sais pas, je comprends pas le concept. J'aurais pu mettre du bleu, mais ça aurait pas été avec le papier en fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le sapin. Vous voyez, comme on n'a pas toutes les mêmes idées, on peut avoir plusieurs fois une carte et totalement différente en fait. Ça, j'ai bien envie de le mettre là, qui pendouille, avec le sapin ici. Niveau démo, j'ai pas grand chose qui me plaît. Je crois que j'ai tout utilisé ce que j'aimais bien surtout. December. Allez. Pour ma poule. Ici. December ici. Et on sera pas mal là. Et là, on va recouper. Alors, on va mettre le sapin. En 3D. On va coller les boules là qui pendouillent. Oh, flûte. December. Si je peux éviter de faire des âneries, ce serait plutôt sympa en fait. Et le sapin que je vais venir mettre ici, mais avec de la mousse 3D. C'est un peu sombre comme carte. Pour une cadeau, pour un truc de Noël, je trouve ça un peu sombre. Parce que vous en pensez. Pourquoi tu colles pas toi? Pourquoi? Voilà. Ok. J'ai compris de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi. Je sais pas quelle heure elle est. Il va falloir que je surveille l'heure peut-être un peu. Oh, mais c'est toujours le même outil que je cherche à chaque fois. Voilà. Alors, c'est une carte qui est pas compliquée, du facile à faire, hein. Puisque tous les trucs sont déjà dans le bloc. Donc vous avez juste à mettre le papier comme vous avez envie de le mettre, tout simplement. Et puis voilà, moi je rajoute un peu de demi-perle pour faire des semblants de boules. Voilà, hop, je trouve ça plutôt sympa.
On va coller ça sur la carte et on va couper le surplus. En fait, je me suis un peu viandée sur le fait que j'ai collé en dehors de la page blanche, quoi. Je me suis merdue là-dessus, en fait. Hop, on va laisser un bord ici et on va laisser un bord en bas. Mais un tout petit peu plus... Oh, je suis vraiment pas droite. Un petit peu plus court que ça parce que du coup je crois qu'en fait je suis pas droite, ma carte n'est pas droite, donc c'est un peu la merde, désolé mais c'est le mot. Et je vais couper en bas. Voilà. Donc c'est pas droit de ce côté-là, donc ça me compte. Mais bon, c'est pas grave. On va pas regarder, on va pas regarder, on va pas regarder, on va pas regarder. On va pas regarder. Et si je camoufle cette horreur? Ouais, je vais faire ça. Ça va camoufler le... Vous voyez? En scrap. Tout ce... Tout va bien parce qu'en fait on peut toujours comment dire, camoufler les âneries qu'on fait, et ça c'est l'avantage du scrap en fait, c'est vraiment ça, c'est que quand c'est pas parfait, quand il y a une petite bêtise de fait ou voilà, ben vous pouvez toujours rattraper le coup avec une dentelle. C'est con, ça paye pas de mine. Mais au moins, déjà, moi, ça va plus me stresser le fait de voir qu'il y a une connerie de faite sur ma carte. Voilà. Alors, comme dirait ma copine Laetitia, tu es une perfectionniste. Donc, c'est chiant. Mais en fait, ouais, c'est moi, quoi. Je vais pas me changer. Je suis chiante parce que j'aime bien les choses bien faites. Et que ce soit joli. Voilà. Donc, je suis jamais satisfaite de ce que je fais, donc automatiquement ça va pas. Voilà, 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 et voilà. Donc ça c'est la petite carte plutôt sympathique avec du papier irisé comme ceci, des blocs action. Ça c'est du bloc action, bloc action, bloc action. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi, ouais, je prépare pour faire ma vignette. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.